Zooming debate, Senator. Reprise du débat, sénateur Plett. Merci, Madame la Présidente, honorable sénateur. Je prends la parole aujourd'hui dans une position très inhabituelle. Ce n'est pas tous les jours que je me vois contraint de parler d'une législation mal conçue et objectivement à courte vue, tout en m'engageant à ne pas faire obstacle à son adoption. Mais dans le cas présent, le gouvernement nous a lié les mains, car l'alternative à l'adoption du projet de loi C-39 est bien plus grave. J'aimerais commencer, et comme le sénateur Manning l'a dit, dans son discours éloquent et émotif, nous ne sommes pas d'accord les uns envers les autres, mais je respecte l'opinion de tous en cette Chambre, même si elle diffère de la mienne. Je respecte mes collègues, mon collègue le sénateur Kutcher et son opinion. Je veux quand même faire des commentaires qui sont, à mon avis, troublants par rapport à ses remarques d'il y a quelques minutes. Le suicide, c'est un acte de causer sa propre mort de façon volontaire. Le suicide est le fait de causer soi-même sa mort de façon intentionnelle. On peut nommer le suicide sous un autre mot, mais c'est quand même le suicide. Si quelqu'un choisit de s'enlever la vie, même s'il demande l'aide de quelqu'un, il faut au moins le nommer comme tel. Lorsque le sénateur dit que quelqu'un qui est suicidaire n'aura pas accès au suicide, lorsque nous adoptons un projet de loi qui fait exactement cela, je trouve ça troublant parce que de lui donner le nom d'AMM ne retire pas le fait que quelqu'un cause sa propre mort et dans ce cas-ci demande l'aide de quelqu'un pour se faire. Je vais être clair pour tous ceux qui nous écoutent que l'adoption de ce projet de loi ne doit en aucun cas être interprétée comme un soutien à la légalisation du suicide assisté pour les maladies mentales. Bien au contraire, si ce projet de loi n'est pas adopté le 17 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, chers collègues, les Canadiens souffrant d'une maladie mentale comme seule condition médicale sous-jacente pourront mettre fin à leur vie avec l'aide d'un professionnel de la santé. Le gouvernement libéral devrait abandonner complètement cette expansion dangereuse, à mon avis. Ceux d'entre nous qui restent fermement dans leur opposition profiteront de ce délai et continueront à se battre pour les nombreux Canadiens vulnérables qui luttent contre la maladie mentale. On veut les garder en vie. Lors de la lecture du projet de loi C-7, un amendement a été déposé en cette Chambre pour supprimer l'exclusion de la maladie mentale pour l'admissibilité avec une clause crépusculaire de 18 mois. Le gouvernement, de manière choquante, a accepté cet amendement, mais a proposé une nouvelle date d'expiration arbitraire de 24 mois, ce qui nous amène au 17 mars 2023. Le gouvernement a approuvé cet amendement après que le ministre Lametti a lui-même déclaré devant notre comité juridique et devant le comité de la Chambre des communes sur la justice qu'il n'y avait pas de consensus au sein de la communauté psychiatrique et de la santé mentale justifiant l'extension de l'accès aux personnes souffrant de maladies mentales à l'heure actuelle. Il a également précisé qu'il ne s'agissait pas d'une exigence de la décision de la Cour suprême. Cet amendement en troisième lecture a été accepté sans que les parlementaires aient eu la possibilité d'examiner la proposition avec des témoins experts et certainement sans qu'il y ait un consensus médical. Ensuite, après coup, le gouvernement a créé un groupe d'experts.
non pas pour déterminer si le suicide assisté pour la maladie mentale pourrait être pratiqué dans toute sécurité, mais plutôt pour formuler des recommandations sur les protocoles. Comme l'a déclaré l'ancien président de l'Association des psychiatres du Canada, le Dr. Sun Yu-Gain, lorsqu'il a témoigné devant le comité parlementaire mixte, je cite, « Ce n'est pas ainsi que fonctionne la science. » Il a indiqué qu'aucune entreprise pharmaceutique n'est informée que son somnifère sera approuvé dans 2 ans sans preuve d'efficacité ou de sécurité, tout en étant invité à élaborer entre-temps des instructions sur la manière d'utiliser le somnifère. La clause crépusculaire et le mandat du groupe fédéral sont fondés sur moins de preuves que ce qui est nécessaire pour introduire un somnifère. La clause crépusculaire a été vendue comme un moyen de donner du temps pour développer des normes et des garanties, mais cette notion a été discréditée par de nombreux membres de la communauté psychiatrique car elle ignore la seule véritable garantie que nous avons pour éviter les décès prématurés, l'irrémédiabilité. Le gouvernement n'avait aucun intérêt à étudier la mise en œuvre de cette politique de vie et de mort extrêmement controversée, mais seulement à élaborer un guide pratique. À la fin de l'année dernière, après un certain nombre d'histoires déchirantes qui ont fait la une des journaux démontrant les dangers de notre régime nouvellement élargi, le gouvernement a annoncé qu'il proposerait des changements à la loi au cours de la nouvelle année. Puis, à la dernière minute, quelques semaines avant l'expiration prévue de la clause crépusculaire, le gouvernement a déposé le projet de loi C-39 qui propose un délai d'un an. Je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi, après avoir admis qu'un délai de 2 ans était insuffisant, nous prendrions le risque de fixer une autre date arbitraire dans l'espoir que l'épreuve se présente soudainement. Pourquoi les partisans de la mort assistée pour la cause de maladie mentale ne supprimeraient-ils pas tout simplement cette extension et ne proposeraient-ils pas cette politique plus tard, si et quand il y aurait des preuves pour la justifier? Comment le gouvernement peut-il être à ce point certain qu'il y aura une clarté soudaine sur ce sujet dans un an, alors que la communauté psychiatrique n'est pas du tout convaincue que nous devrions aller de l'avant? Chers collègues, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur tous les arguments contre le suicide assisté en cas de maladie mentale, car j'ai longuement abordé cette question en 2021, lorsque cette politique a été proposée pour la première fois. Toutefois, l'étude du comité parlementaire mixte spécial contient de nombreux témoignages nouveaux et notables qui ont suscité l'inquiétude. J'encourage mes collègues à examiner les travaux du comité et à prendre note des préoccupations exprimées par les experts dans ce domaine. Par exemple, le comité a entendu des témoignages d'experts indiquant que les Canadiens vulnérables et marginalisés courent un plus grand risque de décès prématuré que les patients psychiatriques qui ont indiqué qu'ils étaient plus susceptibles de mourir prématurément que les autres et qu'ils étaient plus susceptibles d'arrêter leur traitement prématurément également. Il n'existe pas encore de données suffisantes et il est actuellement impossible de faire la distinction entre la suicidalité et les demandes d'aide au suicide. Aujourd'hui, je souhaite mettre en lumière le témoignage qui est fondamental pour la discussion actuelle en me concentrant sur un facteur clé, l'ensemble du régime canadien d'aide à la mort tel que stipulé par la Cour suprême du Canada est fondé sur l'idée que seules les personnes souffrant de conditions graves et irrémédiables devraient être admissibles. Voici ce que les experts nous disent sur le caractère irrémédiable de la maladie mentale. Le Centre pour les toxicomanies et la santé mentale a conclu, et je cite, « Il n'y a tout simplement pas assez de preuves disponibles dans le domaine de la santé mentale pour déterminer si une personne souffre d'une maladie mentale irrémédiable. » Le Dr. John Mayer,
psychiatre, clinicien et éthicien médical, a déclaré au comité parlementaire mixte « Les psychiatres ne savent pas et ne peuvent pas savoir qui ira mieux et vivra des dizaines d'années de bonne vie. Les maladies du cerveau ne sont pas des maladies du foie. Si les suppositions vous conviennent, elles ne conviennent pas aux psychiatres qui comprennent la science et respectent notre obligation de se conformer à une norme professionnelle de soins. Vous avez été systématiquement induit en erreur par une idéologie discriminatoire au détriment de la réalité clinique. L'adoption d'une loi demandant aux psychiatres de faire des prédictions impossibles ne rend pas les choses possibles comme par magie. » Le Dr. Sonia Gain, psychiatre, a dit en comité, « Les partisans de l'élargissement de l'accès à la MM proposent d'atténuer cette réalité avec des protections. Cela ignore le fait que l'irrémédiabilité est en soi la principale protection intégrée dans le cadre d'AMM et que son contournement rend toutes ces protections sans sens. » Le Dr. Brian Massera, psychiatre, clinicien et professeur à l'Université du Québec à Montréal, a déclaré dans son témoignage, « Je suis un scientifique. Le dernier examen Cochrane de la recherche sur la capacité à trouver un indicateur de l'évolution future d'une maladie mentale, qu'elle soit traitée ou non, a conclu que nous ne disposons pas de moyens scientifiques spécifiques pour y parvenir. » Le Dr. Mark Senior, psychiatre et expert en prévention du suicide, a déclaré, « En bref, nous ne disposons pas de toutes les preuves scientifiques nécessaires pour évaluer la sécurité de la mort médicalement assistée en cas de maladie mentale. Si j'avais plus de temps, je pourrais citer de nombreux exemples, mais permettez-moi de me concentrer sur le fait qu'il n'existe absolument aucune recherche sur la fiabilité des prédictions des médecins quant au caractère irrémédiable de la maladie ou de la souffrance. Dans les cas de troubles psychiatriques, à ma connaissance, il n'existe pas une seule étude. » Même le groupe d'experts sur l'AMM et la maladie mentale l'a déclaré directement dans son rapport. « Les connaissances sur le prognostic à long terme de nombreuses maladies sont limitées et il est difficile, voire impossible pour les cliniciens de faire des prédictions précises sur l'avenir d'un patient donné. » Il s'agit du groupe d'experts du gouvernement qui a déclaré sans embâche qu'il était difficile, voire impossible, de prédire l'irrémédiabilité. Alors que plus de 85 % des psychiatres de l'Ontario qui ont répondu à un sondage récent sont favorables à l'aide au suicide en général, moins de 30 % d'entre eux sont d'accord pour étendre la loi aux seules maladies mentales. Le comité spécial sur l'aide médicale à mourir, établi par l'Assemblée nationale du Québec, après plusieurs mois d'études, a recommandé de ne pas élargir l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes dont le seul problème médical est un trouble mental. En octobre 2020, l'Association des psychiatres du Canada a interrogé ses membres et moins de la moitié d'entre eux se sont déclarés favorables à l'assistance au suicide pour les maladies mentales. Où est le consensus scientifique général dont on nous a parlé? Chers collègues, nous n'avons pas besoin d'être des scientifiques ou des psychiatres pour comprendre la gravité de la politique. Comme cela a été évoqué, un sondage récent, Angus Reid, qui a étudié les attitudes des Canadiens en matière d'assistance au suicide, a révélé que si les Canadiens sont généralement favorables à l'AMM, seuls 3 sur 10, donc 31 % déclarent soutenir le concept d'aide médicale à mourir en cas de maladie mentale irrémédiable. Chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale et la plupart d'entre nous sont parfaitement conscients de l'état lamentable des soins de santé mentale dans ce pays.
L'idée que nous nous dirigeons vers une politique qui leur offre la mort avant qu'ils n'aient eu la possibilité de bénéficier d'un traitement acceptable est déchirante. C'est une indication terrible de l'état de la société et de la valeur que nous accordons à la vie. Le Dr Marsignor a déclaré au comité mixte que si cette mesure est adoptée, les évaluateurs de l'AMM n'auront aucune idée du nombre de fois où ils se trompent lorsqu'ils déterminent l'admissibilité dans le contexte d'une mort assistée pour un médecin pour une maladie mentale unique. Il a déclaré, et je cite, « Ils pourraient commettre une erreur de 2 % du temps ou 95 % du temps. Cette information devrait être au premier plan de cette discussion, mais elle est totalement absente. » Combien d'erreurs sont trop nombreuses, chers collègues? Le ministre Lanetti a déclaré hier que s'il existe un doute quant au caractère irrémédiable de la maladie mentale, la personne ne recevra pas d'AMM, point final. Sénateur Kutcher a aussi fait allusion à cela dans son discours. Pourtant, plus de la moitié de la communauté psychiatrique affirme qu'il n'est jamais possible de déterminer le caractère irrémédiable d'une maladie mentale. La question est loin d'être aussi tranchée que le laisse entendre le ministre, et il le sait. Le sénateur Kutcher a déclaré publiquement que les psychiatres qui s'opposent au suicide assisté pour les maladies mentales font preuve de paternalisme. Au moins l'un des témoins du comité a trouvé ce commentaire choquant et insultant. Chers collègues, imaginez que vous puissiez dire à des psychiatres et à d'autres cliniciens qui n'ont pas épuisé toutes les options thérapeutiques, qui ont constaté des améliorations à long terme et qui gardent espoir pour leurs patients, qu'ils sont paternalistes parce qu'ils ne veulent pas jeter l'éponge. Le docteur John Maher, psychiatre, s'est opposé à cette idée en déclarant au comité mixte. Vous avez dit que tous les psychiatres du Canada qui s'opposent à l'AMM pour les maladies mentales sont égoïstes et paternalistes. Je ne suis pas sûre que ce commentaire ait servi à quelque chose, mais je défie littéralement n'importe quel psychiatre de dire que ce patient particulier souffre d'une maladie irrémédiable parce que c'est impossible. J'ai des patients qui vont mieux après 5 ans, après 10 ans et après 15 ans. C'est impossible. C'est une supposition. Si vous êtes d'accord avec les suppositions, si vous êtes d'accord pour jouer avec les chances ou si votre position est de respecter l'autonomie à tout prix, si quelqu'un veut mourir, il peut mourir, appelez cela ce que c'est. C'est un suicide facilité. Fin de la citation. Honorable collègue, cette extension contourne la principale protection dont nous disposons contre les décès prématurés. Mais nous sommes censés trouver du réconfort dans un délai d'un an. Faciliter la mort des patients atteints de maladies mentales sera aussi dangereux en 2024 qu'il l'aurait été la semaine prochaine. La date du 17 mars 2024 n'a rien de magique, tout comme la date initiale n'avait aucune signification. Cependant, permettre l'adoption de C-39 revient à voter contre la légalisation immédiate du suicide assisté pour les troubles mentaux. Nous profiterons de cette occasion pour rectifier le tir. Mon collègue à la Chambre des communes, le député d'Abbotsford, l'honorable Ed Fast, a déjà déposé C-314 qui précisera dans le Code criminel qu'un trouble mental n'est pas un état pathologique grave et irrémédiable pour lequel une personne pourrait recevoir une aide médicale à mourir. En présentant ce projet de loi, l'honorable député a déclaré que le gouvernement se préoccupe davantage de l'assistance au suicide que de la prévention du suicide et que la priorité devrait être accordée à la fourniture de soutiens sociaux et de santé mentale dont les Canadiens vulnérables ont besoin. Je tiens à féliciter mon collègue pour son action rapide et réfléchie. Chers collègues, nous aurons l'occasion de bien faire les choses lorsque nous étudierons ce projet de loi, et j'espère que ce sera le cas. J'ai aussi hâte d'appuyer ce projet de loi
à chaque étape et j'espère que vous vous joindrez à nous. J'ai toujours dit, lorsqu'on parle du suicide assisté, que c'est une décision personnelle et émotionnelle que les personnes raisonnables, sur laquelle les gens raisonnables peuvent être en désaccord. Je me souviens des premiers débats lorsqu'on a légalisé le suicide assisté avec C-14 et d'autres personnes ont parlé de l'argument de la pente glissante. Ils nous ont dit que nos inquiétudes n'étaient pas fondées sur les faits. On l'a encore entendu aujourd'hui. On a appris qu'il y avait des sophismes logiques et que le Canada adoptait une approche prudente. On nous a assuré que l'aide au suicide ne serait pas proposée, sauf dans les circonstances les plus restreintes et les plus graves. Chers collègues, regardez où nous en sommes. Même si je pensais que nous étions sur une trajectoire dangereuse, je n'aurais jamais pu imaginer que dans quelques années seulement, nous proposerions le suicide assisté aux personnes vivant avec un handicap avant même d'avoir apporté des améliorations marginales à la qualité de leurs aides à la vie. Je n'aurais jamais pu imaginer que nous proposerions le suicide assisté à des anciens combattants, à des personnes souffrant de maladies mentales potentiellement traitables. Et maintenant, chers collègues, nous parlons sérieusement de proposer le suicide assisté aux enfants et ce n'est que quelques années seulement après que nos inquiétudes concernant la pente glissante ont été rejetées. Soyons conscients de la vitesse à laquelle nous avons évolué la prochaine fois que ces questions seront soulevées. Envisageons sérieusement de tenir compte des avertissements des experts internationaux qui ont vu cette situation se dérouler dans leur territoire. Chaque décision politique que nous prenons est importante, mais dans ce cas, le risque que nous prenons en nous trompant a des conséquences tragiques sur la vie et la mort. Aux personnes qui nous écoutent et qui luttent contre la maladie mentale ou qui aiment une personne atteinte de maladie mentale, ainsi à celles qui les traitent et les soutiennent, sachez que le combat n'est pas fini. Le travail n'a fait que commencer. Comme je l'ai dit, C-314 a été déposé et mettra fin à cette expansion irréfléchie. Je me réjouis de poursuivre la lutte dans cette Chambre et j'encourage mes collègues à accorder à ce projet de loi toute l'attention qu'il mérite lorsqu'il sera soumis à notre examen. Merci.